faudrait une connexion internet fiable. Une connexion internet également de qualité. Souvent du temps. Une formation de manière générale de tous les acteurs. Une formation mais permettant d'envisager l'ensemble des possibles avec le numérique. Les parents aussi ont besoin d'être accompagnés. Plutôt l'anticipation. Le lien que ça a créé entre les différentes équipes et les différents personnels de l'établissement, et les élèves, et les familles aussi. Le partage de documents, de ressources. Principalement les applications de l'ENT et Léa. Nous avons conservé le bloc d'école pour continuer de partager, de communiquer, donner à voir. Nous réfléchissons aussi au fait d'utiliser cet outil que nous avons appréhendé à Book Creator pour un carnet de suivi des apprentissages. C'est rendre mes élèves plus autonomes. J'imagine un usage un peu plus fluide et plus habituel pour faciliter l'autonomie, la collaboration, l'individualisation des parcours. La dynamique actuelle, il me semble, elle est très forte autour de l'enseignement hybride. Sur l'hybridation. Une forme de virtualisation de la classe. Quand on parle de classe, on parle du lieu, mais il faut dépasser ça aujourd'hui. L'enseignant, dans ce contexte-là, voit son rôle, en tout cas d'accompagnant, encore davantage renforcé.